Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment déposer une demande de naturalisation et la liste des pièces à fournir pour acquérir la nationalité française par décret. Grand 1. Les démarches. Première étape. Le dépôt de la demande. Vous devez faire parvenir le formulaire cerfa numéro 127 et 01 voir document à imprimer sur la vidéo en double exemplaire, soit à la plateforme régionale de naturalisation s'il en existe une, soit à la plateforme régionale de naturalisation d'un département limitrophe s'il n'en existe pas dans votre département. Par exemple, si vous résidez en Dordogne, en Gironde, dans les Landes, dans le Lot-et-Garonne ou en Pyrénées-Atlantiques, vous devez déposer votre demande à la plateforme de la préfecture des Girondes à Bordeaux. Vois lien sur la vidéo. Votre demande doit être accompagnée des pièces justificatives que nous verrons un peu plus loin dans cette vidéo. Deuxième étape, l'attente. Votre dossier est transmis dans un délai Deciste à compter de la délivrance du récépissé au ministre chargé de la naturalisation, l'administration dispose à compter de la remise du récépissé d'un délai maximum de 18 mois pour vous répondre. Ce délai est réduit à 12 lorsque vous justifiez avoir votre résidence habituelle en France depuis au moins 10 à la date de la remise du récépissé. Ce délai peut être prolongé une fois par décision motivée pour trois mois. Troisième étape, la décision. Le préfet ou à Paris, le préfet de police examine si les conditions posées par les textes sont remplies. Lorsque votre demande est recevable, le ministre chargé de la naturalisation peut vous accorder la naturalisation. Vous recevez alors un courrier vous informant de cette décision favorable le préfet ou le préfet de police à paris peut également décider en motivant cette décision ajourner votre demande en imposant un délai ou des conditions il vous notifie sa décision soit par une remise directe lors d'une convocation en préfecture soit par envoi postal en courrier recommandé avec accusé de réception si les conditions posées par les textes ne sont pas remplies, le préfet à Paris ou le préfet de police déclare votre demande irrecevable. Vous disposez alors d'un délai de deux mois à compter de la notification pour former un recours administratif préalable auprès du ministre chargé de la naturalisation. Il n'est pas possible de faire un recours gracieux auprès du préfet. Ce recours pour lequel vous pouvez vous faire assister ou être représenté par toute personne de votre choix constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Si le ministre chargé de la naturalisation n'a pas répondu à ce recours dans un délai de quatre mois, le recours est rejeté. Le recours contentieux dirigé contre eux, une décision du ministre chargé de la naturalisation s'effectue devant le tribunal administratif de Nantes. Vous disposez un délai de deux mois suivant la notification de cette décision. Quatrième étape, la naturalisation. Comme nous l'avons déjà vu, lorsque le ministre chargé de naturalisation vous accorde la naturalisation, vous recevez un courrier vous informant de votre décision favorable. Ensuite, le décret de naturalisation est signé puis publié sur le journal officiel. Il prend effet à la date de sa signature. Des publications, un extrait du décret de naturalisation et une copie des actes de l'état civil français auquel il a donné lieu vous sont adressés par la préfecture. Si vous avez des enfants mineurs à la date du décret et non mariés, ils deviennent français. S'ils résident habituellement avec vous et si leur nom est mentionné dans le décret, 2. Les pièces à fournir. La demande de naturalisation doit être remise à la préfecture de votre lieu de résidence si vous devez remplir le formulaire CERFA numéro 12753 ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. La préfecture mènera ensuite enquête et entretien et vous rendra une décision dans les 6 à 18 mois. En cas de réponse favorable, vous obtiendrez naturalisation par décret. Elle s'applique dès le moment où le décret de naturalisation est signé par le ministre. Le préfet peut également juger votre demande comme étant irrecevable, auquel cas le refus doit être motivé. Enfin, il peut être décidé que votre demande soit ajournée auquel cas un délai d'ajournement ou des conditions particulières y sont associées. Vous devrez alors reprendre la procédure de naturalisation à son commencement une fois les conditions remplies ou le délai passé. Si vous rencontrez des difficultés pour prendre rendez-vous avec la préfecture, il est possible d'être aidé par un avocat qui pourra trouver un moyen de contraindre la préfecture à enregistrer votre demande. Très important. Grand A. Hormis les pièces d'état civil et le casier judiciaire étranger qui doivent être produits en original, il vous est possible de produire des photocopies. Vous devrez néanmoins présenter les originaux à l'autorité chargée de recevoir votre demande. Pour tout document rédigé en langue étrangère, vous devez joindre l'original du document et l'original de sa traduction établie par un traducteur agréé, liste des traducteurs assermentés à demander à la Cour d'appel de Montpellier. Le cachet et la signature du même traducteur doivent figurer sur l'acte et sa traduction. Si une des pièces est possible à fournir, vous devez en exposer les raisons auprès de la préfecture sous la forme d'une lettre manuscrite exposant le motif de non-présentation. Pour vous aider à constituer votre dossier, un outil d'aide à la constitution de votre dossier vous est proposé sur le site h. T-P-34.accueil-étranger.gouv.fr. Certains actes d'état civil ou judiciaire établis à l'étranger doivent être légalisés ou apostillés. Ne négligez pas cette démarche qui peut être longue à accomplir information, sur, h, t, t, p, tirer, tirer, tire, www.diplomatie.gouv.fr, tirer, fr, -fr vive, tirer, attirer tirer, l, étranger, tirer, vive, tirer, a, tirer, l, étranger, tirer, vaudroit, tirer, e, tirer, le, tirer, consulat, tirer, a-votre-service-légalisé-des documents-public. B. Les documents demandés sont à classer impérativement dans l'ordre suivant. La demande d'acquisition de la nationalité française du remplie, entièrement datée et signée en double exemplaire. Formulaire CFA 12753-302 http deprint-vaudois.servicepublic.fr-particulier-r16995.xhtml. Le cas échéant, la demande de francisation, un thème fiscal de 55 euros, ne pas le coller, le placer sous pochette plastifiée. Si vous avez déjà déposé une demande, fournir la copie de la précédente décision. Une grande enveloppe, lettre suivie, 500 grammes ou 1 kg correspondant au poids de votre dossier, à retirer à la poste et à joindre au dossier. Trois enveloppes timbrées, libellées à votre adresse. Trois photographies d'identité identiques et tête nue, format 35 par 40 mm, portant votre nom, prénom et date de naissance au verso, votre numéro de téléphone. C l'état civil. Si vous êtes réfugié ou apatride, vous devez fournir les certificats tenant lieu d'acte de l'état civil délivré par l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides, OFPRA. Dans tous les cas, L'original de la copie intégrale de votre acte de naissance avec indication du nom de vos pères et mères, délivré par l'officier d'état civil du lieu où l'acte de naissance est conservé. Les documents d'état civil relatifs aux dates, lieu de naissance et le cas échéant de mariage de vos pères et mères. Ils permettront au service central d'état civil d'établir des actes de l'état civil français complets. À défaut, ces actes ne pourront être complétés que sur instruction du parquet de Nantes. Le cas échéant, tout document justifiant d'une modification de votre nom, la copie du passeport, identité et page tamponnée, ressortissant CE, copie de la carte nationale d'identité du pays d'origine, la copie recto verso de votre carte de séjour en cours de validité est à la bonne adresse. Si vous êtes marié, paxé, séparé, divorcé, veuf ou veuve, vous devez fournir selon les cas. L'original de la copie intégrale de l'acte de mariage En cas d'union antérieure, les originaux des copies intégrales des actes des différents mariages accompagnés de la preuve de leur dissolution, décision de séparation de corps, ordonnance de non-conciliation, copie du jugement de divorce, de l'acte de répudiation irrévocable, l'original de la copie intégrale de l'acte de décès du conjoint. Le cas échéant, tout document justifiant de l'identité du conjoint, si celle-ci est complète dans l'acte de mariage. Si vous avez conclu un pax, copie du récépissé d'enregistrement délivré par le tribunal d'instance. Si vous avez déjà des enfants mineurs, l'original de la copie intégrale de l'acte de naissance de chaque enfant, eux, pour les enfants adoptés, le jugement d'adoption. Le certificat de nationalité française pour les enfants français à défaut de mention de la nationalité française dans la copie intégrale de l'acte de naissance. Grand E, assimilation linguistique. Pour justifier le niveau suffisant de connaissance de langue française, vous devez produire soit un diplôme délivré par une autorité française en France ou à l'étranger, sanctionnant un certain niveau de langue, niveau au moins égal au niveau V-BIST de la nomenclature nationale, des niveaux de formation ou un diplôme attestant de niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Soit une attestation de moins de deux ans délivrée à l'issue d'un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité. Français langue d'intégration liste sur site internet http://www.erolt.gouv.fr content Download. 154 99484 99 -484 fil 484-fil-organisme-attestant-linguistique-090- 715.pdf. Soit une attestation de moins de deux ans délivrée par l'un des organismes certificateurs suivants. Test de connaissance du français, TCF, du Stantan international d'études pédagogiques, test d'évaluation français, TEF, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Vous devez produire votre diplôme ou votre attestation originale accompagnée de sa photocopie, laquelle sera intégrée dans votre dossier. Les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français, les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient, chronique ou âgé d'au moins 60 ans, N'ont pas à produire ce diplôme ou cette attestation. 1F. Domicile. Situation au regard du logement. Si vous êtes locataire, la copie du contrat de location, des trois dernières quittances de loyer et de la dernière facture de téléphone ou d'électricité. Si vous êtes propriétaire, l'original de l'attestation de propriété délivrée par le notaire et les tableaux d'amortissement ou l'échéancier. Si vous êtes hébergé, une attestation d'hébergement, un justificatif de l'identité, copie CNI ou type de séjour en cours de validité de la personne qui vous héberge et copie d'un justificatif de domicile récent, justificatif du séjour de votre famille, une copie recto-verso du titre de séjour de votre conjoint ou concubin, ou la copie de sa carte nationale d'identité si celui-ci ne s'associe pas à votre demande. Lettre exposant les motifs. Si vous êtes pris en charge par vos parents, photocopie recto-verso de leur titre de séjour ou de leur carte nationale d'identité. Les certificats de scolarité de vos enfants mineurs ou s'ils ne sont pas scolarisés. Tout document justifiant de leur résidence à votre domicile, copie du carnet de santé, page identité et vaccination, attestation de présence en crèche. La décision autorisant l'entrée en France des membres de la famille prise en application de l'article L421-4 du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile regroupement familial Gringier. ressources et activités professionnelles vous êtes salarié les certificats de travail concernant si possible les trois dernières années le contrat de travail en cours indiquant le salaire la date d'entrée l'emploi occupé les trois derniers bulletins de salaire en cas de mariage, pacs ou concubinage, copie des trois derniers bulletins de salaire du conjoint ou concubin, trois derniers avis d'imposition du conjoint ou concubin, bulletins de salaire de novembre et décembre de ces trois dernières années du conjoint ou concubin. Vous êtes demandeur d'emploi, justificatif d'inscription à Pôle emploi. Les trois derniers bordereaux de versement des indemnités, tout justificatif de votre activité professionnelle, si possible, au cours des trois dernières années. Vous êtes stagiaire de la formation professionnelle. Une attestation de l'organisme de formation mentionnant les dates, le début et fin des stages, le dernier bulletin de rémunération, le cas échéant tout justificatif de votre activité professionnelle si possible au cours des trois dernières années. Vous êtes artisan, commerçant, exploitant agricole, gérant, l'extrait d'immatriculation au registre du commerce ou des métiers, les statuts de la société pour les dirigeants ou associés, le bilan financier des trois derniers exercices, l'attestation comptable de vos revenus mensuels, le bordereau des situations fiscales de la société dont vous êtes soit actionnaire, soit gérant. Vous exercez une profession libérale, une copie de l'inscription à l'ordre professionnel, un justificatif des ressources des trois dernières années. Vous êtes lycéen ou étudiant le certificat de scolarité ou la carte d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année en cours, les justificatifs des diplômes de l'enseignement supérieur obtenus en France si vous êtes boursier, l'attestation indiquant le montant de la bourse, si vous êtes pris en charge par vos parents, leur dernier avis d'imposition, ou de non imposition. S'il réside à l'étranger, un justificatif d'éversement. Si vous êtes contractuel de l'enseignement, les contrats, le cas échéant, sur les trois dernières années. Vous êtes titulaire d'un diplôme en médecine, le diplôme avec le cas échéant sa traduction. Tout document permettant d'établir et vous êtes autorisé à exercer de façon pérenne la médecine en France. Vous bénéficiez de revenus mobiliers ou immobiliers en France ou à l'étranger. Une déclaration datée et signée précisant la nature, l'origine et l'évaluation de votre patrimoine. Une attestation bancaire précisant le montant des revenus de votre patrimoine et ou le montant et la périodicité des versements. Si vous avez des revenus provenant de l'étranger, vous louez des biens immobiliers, la copie du ou des contrats de bail, vous percevez des prestations sociales, le dernier bordereau de versement des allocations familiales, de l'allocation logement, du revenu de solidarité active, etc. Autre cas, le type de pension. Et le dernier bordereau de versement si vous êtes retraité. La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en cours de validité mentionnant le taux d'invalidité. Une attestation de travail en structure de travail protégée. La carte d'invalidité et le bordereau de versement d'une pension ou d'une allocation d'invalidité. Si vous êtes pris en charge par votre conjoint ou votre concubin ou un tiers, un justificatif des ressources de celui/celle-ci, situation fiscale, les avis d'imposition ou des non-imposition des trois dernières années et les bulletins de salaire de novembre et décembre correspondant à ces trois années. L'original du Bordeaux, des situations fiscales, modèle. P.237, daté de moins de trois mois, portant sur les trois dernières années. Ce document est délivré par la direction des finances publiques dont vous dépendez sur présentation des avis d'imposition précités. Adresse sur votre avis d'imposition. Si vous êtes pris en charge par votre conjoint ou votre concubin ou un tiers l'original de son bordereau des situations fiscales, modèle P.237, daté le moins de trois mois. Situation militaire. Un état des services pour les anciens combattants et les légionnaires et les décorations et citations obtenues. Dépôt de la demande uniquement par voie postale, en courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse de commune à laquelle vous êtes adhéré. Attention, en fonction de votre situation, des pièces supplémentaires pourront éventuellement vous être demandées ultérieurement. C'est tout pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous verrons la charte des droits et des devoirs du citoyen français.